républicain Jovenel Moïse, c'est ambassadeur états-unien Michel Jeanne Sison et ambassadeur pays Guatemala Rudy Armado Lopez. Conseil supérieur police nationale d'Haïti répond à question sénatéo jeudi à dans cadre activité qui peut non mercredi contrôle plusieurs sujets qui ont rapport à la sécurité pays à aborder. Ministère Santé publique et population sous haut patronage Première Dame République là inauguré mercredi 21 février à Institut national supérieur formation sage-femme. Toujours dans l'actualité, jeudi 21 février, marqué journée internationale langue maternelle, célébration journée ça, déroulée sous thème langue maman dans éducation, oui, apprendre, c'est comprendre. C'était occasion pour Académie créole haïtienne installée, 5 nouveaux académiciens avec 12 membres conseil consultatif dans l'institution. Un séminaire formation des jours lancé mercredi 21 février pour plus passer 300 nouveaux policiers qui fait affecter dans direction départementale l'Ouest Police Nationale d'Haïti. Actualité à l'autre bord de l'eau, plusieurs élèves rencontrés mercredi 21 février à président Donald Trump à Cli, à élite américain yo, élève sa yo fait déplacement dans objectif pour faire passer voyou. Pour autorité au 40, plus difficile loi locale sous question pour tes amelants. C'est pour ça que avec diverses lots, nous allons développer pour vous, rester branché, Naptonin. Merci d'être choisi TNH pour informer vous. Pour commencer, nous allons voir conditions temps avec un collaborateur, nous, Wilner Polidor. Nous, mercredi 21 février 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble pour aujourd'hui pour situation météorologique journée qui c'est toujours en Côte-Troisie, unité hydrométéorologique, pays d'Haïti, en allant comment situation est pour aujourd'hui. Nous avons une zone de haute pression qui trouve l'île sous Atlantique Nord et une zone de basse pression qui trouve l'île sous Amérique du Sud et situation ça qui gagne sous bassin a provoqué un vent sous région Caraïbes là ça veut dire Haïti a concerné par vent pour jeudi avec soleil. On a regardé comment temps sensible là et sous image réelle ça photo ça que nous prend depuis le centre national météorologie nous voit que nous gagnons temps qui avec un ciel qui bleu, bel soleil et n'a gagne vent cap soufflé sous pays là. Ça veut dire tout département yo a concerné par soleil pendant journée avec vent cap vanté et là bien des rafales cap privé jusqu'à 30 nœuds pour jodi et en ce sens nous mandé moun qui était près la mer pour capable prendre pile précaution parce que la mer a très agité pour après-midi et aswe n'a gagné quelques passages nuageux et gagné possibilité pour gagner quelques petits averses, mais c'est vraiment de la pluie isolée sous département nord pour pays. Ça veut dire nord, nord-ouest, ça ne concerne pas quelques activités la pluie. Mais pour l'ensemble, pour pays, c'est beau temps au cours de journée, en fin d'après-midi et en soirée. Pour capitale avec zone qui environne, ce capitale cap joue de beau temps encore, soleil avec vent cap soufflé au cours de journée, n'a pas une température cap monter jusqu'à 32 degrés et puis par la descente c'est 20 degrés Celsius au cours de nuit là. Nous pas prévoir activité la pluie pour capitale là mais toutefois effet réchauffement pendant la journée qui mêlé avec brise dans la mer qui a provoqué quelques petits averses isolées mais c'est beau temps sur toute capitale avec zone qui environne lieu. Pour la mer nous allons commencer nous avons une mer qui très agité et même forte sous plusieurs régions pour aujourd'hui. Région nord, région sud, la mer a agité à forte. Et c'est pour ça que nous demandons de capter l'embarcation, précaution avec prudence parce que Jean-Noël là, la mer a monté jusqu'à 12 à 14 pieds sous région sud pays d'Haïti et entre 10 à 12 pieds sous région nord pays d'Haïti. En ce sens, capter l'embarcation, précaution avec prudence parce que la mer a agité à forte sous région nord et sous région sud pays. Et pour page astronomique, là, je dis à ce moment-là, couché à 5h52 minutes et l'a levé d'un matin à 6h20 minutes. C'est tout ça que nous avons gagné pour la situation météorologique là. Merci pour fidélité nous avec attention nous. N'a pas croisé demain pour une autre page météorologique.
Merci à Wilner Polidor. J'ai noté annoncer l'antitio. De nouveau, ambassadeur remet l'aide créancio. Mercredi 21 février, bail président de la République, là, Jovenel Moïse. C'est ambassadeur états-unien Michel Jeanne Sison et ambassadeur pays Guatemala Rudy Armado Lopez. Deux diplomates qui ont contribué dans le renforcement rapport Zamitaï entre pays et Haïti dans divers domaines, tant qu'au Kilti. Lutte contre catastrophe naturelle à Clot encore. Reportage Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Ambassadeur tout neuf pays États-Unis, Michel Jeanne Sison, vient remplacer dans poste ça diplomate Peter Mellrin qui prend retraite li depuis février 2017. Michel Sison dit li prêt pour renforcer rapports amitié entre Haïti et États-Unis. D'autant plus, li déjà une expérience diplomatique en Haïti sorti l'année 1982. Pour arriver 1984. Je suis tellement contente d'être ici. J'étais ici à Port-au-Prince en poste comme jeune diplomate entre les années 1982 et 1984. Alors, c'était toujours ma rêve de rentrer en Haïti en service diplomatique. Alors, cela a pris 35 ans, mais je suis là et je suis prête à travailler étroitement avec le gouvernement et le peuple haïtien pour renforcer les liens bilatéraux entre nos deux beaux pays. Je suis tellement contente d'être ici aussi parce que j'ai eu un grand respect pour le peuple haïtien, la culture haïtienne, l'histoire fière de ce beau pays. Ambassadeur Guatemala, Rudy Armando Lopez, Bokote Pal, dit pays libre pour travailler dans tête collée à Haïti pour offrir l'État haïtien compétences dans le domaine gestion risque et désastre. En el tema de tourisme. J'ai parlé au président sur la possibilité de travailler sur des accords bilatéraux afin qu'on puisse collaborer dans le sens de la prévention des catastrophes naturelles et le développement du tourisme. Guatemala, c'est un pays très sismique en fait. On a des failles qui sont pratiquement dangereuses et ça fait déjà 25 ans qu'on travaille pour pouvoir prévenir ces genres de catastrophes et on pense avoir les connaissances nécessaires pour partager tout ceci avec Haïti. Nous avons l'expérience pour pouvoir transmettre à Haïti. Dans environ 4 jours encore, Haïti a parlé pour recevoir 29e rencontre intersessionnelle CARICOM. Côté question risque et désastre dans la région, on va le débattre pendant 2 jours sous différents aspects. Dans l'occasion, 21 février, journée internationale langue maternelle, Académie Creole Haïtienne a installé 5 nouveaux académiciens avec 12 membres conseil consultatif. Célébration journée ça déroulée sous thème langue maman dans l'éducation, oui apprendre, c'est comprendre. Reportage d'Alindo Rival avec Hervé Pierre. 5 nouveaux académiciens avec 12 membres conseil consultatif. C'est quantité personnalité Académie Créole Haïtienne installée dans l'occasion Journée internationale langue maternelle là. Une représentant nouveau académicien yo, Rachel Charlier Doucette, dit yo prend engagement pour permettre langue créole la jeune place li dans société a et puis travaille pour droit moun qui parle créole seulement yo respecté. Nous prenons engagement devant nous toutes ici là devant pays. Pour nous travailler pour langue créole là, récit jouer une classe, les doués gagner dans la mi-temps société. Place ça m'a connu à tout respect de la linguistique population pays d'Haïti. C'est une mission qui est importante, loi ça dans nous. Et nous-mêmes, nouveaux académiciens, nous croyons dans la mission ça. Parce que nous croyons, pays n'a pas qu'à sortir. Dans le système, l'injustice, l'inégalité, la force côté qui caractérise là, s'il n'est pas respecté droit de tout citoyen haïtien. Et dans le temps, droit ça, droit linguistique, doit recevoir en pile attention. Langue maman, c'est identité. Langue maman, c'est nom nous. À travers langue ça, nous sentons nous exister. C'est déclaration ministre Kilti à communication Limon Toussaint. Qui promettent administration Moïse à gouvernement Lafontaine pap suspend accompagné académie créole haïtien. Thème jodia c'est langue maman dans éducation. Oui, apprendre pour comprendre. C'est vrai créole a facilité
dans l'école, dans l'université, dans le centre professionnel, éducation, tout le monde. La permettre à côté de notre langue que tout élève, tout étudiant, tout apprenti, ouais, plus clair, plus comprendre. Dans ce sens, il y a une nécessité pour nous renforcer la traduction livre et écriture livre en créole et apprentissage créole là tout. Président Académie créole haïtien, Pasteur Poris Jean-Baptiste, souhaite autorité au pral travail pour permettre langue créole là tourner une outil communication CARICOM. Haïti prend langue créole là comme une langue officielle dans CARICOM, n'a créé un pile job pour haïtiens. Dans le problème, dans la question de traduction, nous avons créé un peu de job parce que là où vous voyez une marchandise à le vendre, n'importe côté, dans une zone créée comme nous, ou après des étiquettes en créole, ça fait promotion non seulement pour l'entrée là, mais pour nous comme haïtiens. Et puis nous avons décomplexé nous comme peuple parce que nous avons besoin. Décomplexez-nous et sans compter tout haïtien qui vit au Canada, qui vit aux États-Unis, qui vit en France, en nous baillant la population, nous avons une chance en nous adopter la langue créole comme une langue officielle dans le territoire. Langue maman dans l'éducation, oui, apprendre c'est comprendre. C'est sous thème ça, célébration journée internationale langue maternelle la déroulée à Nessa. Ministère Santé publique ak population sous au patronage Première Dame République la inauguré mercredi 21 février Institut National Supérieur Formation Sage-Femme. Yon cérémonie qui fait en présence directeur général projet intégration avec développement pays Mexique, ministre développement international ak francophonie Canada. Fondation pour population, cadre employé ministériel et institution 1, yon contrandi Rachel Saint-Fort et Michel Joseph. Tenant l'idée pour former ressources humaines qualifiées et compétentes dans le domaine santé, ministère santé publique et population inauguré Institut national supérieur formation sage-femme. Institution ça est pour rôle former dans bonnes conditions sage-femme professionnelle capable de combattre et diminuer taux mortalité maternelle et infantile. Sage-femme ça là pour faire éducation jeune dans santé sexuelle et reproductive, accompagner, soigner et puis conseiller femmes qui pas enceinte ak sa enceinte pendant grossesse yo, faire accouchement, bay ti bébé soin, conseiller dans allaitement, planification familiale. L'ouverture de l'École nationale d'infirmières sages-femmes en l'année 2000 et la création de l'Institut national supérieur de formation de sages-femmes INSFSF par le décret du 27 janvier 2011 offrant deux filières de formation, 18 mois pour les infirmières diplômées, 36 mois pour les diplômées Bac 2, présente de nouvelles options au MSPP pour renforcer la gamme de soins. Le but de ce programme de formation est de former des sages-femmes qualifiées et adaptées aux besoins de la société haïtienne, tout particulièrement en matière de santé maternelle et infantile. L'inauguration aujourd'hui de ce temple du savoir est une véritable fierté pour l'équipe de l'INSFSF. Elle témoigne aussi de la nécessité et de la vitalité de notre nouvelle profession dans le pays. C'est un défi aussi, dans la mesure où il doit sortir des cadres compétents pour la prise en charge globale des femmes enceintes et des nouveau-nés. Cet alma mater restera le temple du savoir et de la formation des sages-femmes. Réduisons ensemble la mortalité maternelle et néonatale en Haïti à partir de nos sages-femmes compétents.
Dans l'occasion, un partenaire international qui aide dans la construction bâtiment sa mise en place curriculum formation institution wan renouveler engagement yo pour continuer aider gouvernement dans je fò la fè pour permettre population haïtienne nan gen accès à soins santé. Avec des taux élevés de mortalité maternelle et de grossesse chez les adolescentes, le besoin de sages-femmes professionnelles se révèle très élevé. C'est donc pourquoi le UNFPA en Haïti rejoint le gouvernement dans sa stratégie de santé reproductive et supporte le rôle des sages-femmes. Oui, je suis convaincue qu'une sage-femme formée professionnellement est la meilleure défense contre les mauvaises pratiques. Deux nouvelles contributions du Canada. La première permettra à l'Institut de former 610 sages-femmes supplémentaires et de créer deux écoles satellites afin d'augmenter l'offre de services dans le Sud-Est, le Nord-Est et Grand-Anse. La deuxième contribution, la deuxième annonce d'une valeur de 550 000 $ appuiera l'organisation Zamni la Santé. Cette initiative, on veut aider les femmes et les filles victimes de violences sexuelles à obtenir des services améliorés, des soins de santé et de l'assistance juridique. Ces 58 étudiants qui ont bénéficié de la formation Institut national supérieur formation sage-femme approfondie communauté, ils ont environ une quarantaine d'enseignants monitrices terrain. D'après les responsables, le nouveau bâtiment ça respecte les règles parasismiques, ils ont un équipement moderne. Ligue cafétéria, infirmerie, archives, salle simulation, laboratoire informatique, dortoir, salle réunion, différentes salles cours, bibliothèque, bloc sanitaire. L'autre point dans le journal, là, y a une délégation parlementaire visitée mercredi 21 février à Maché, à Million sous Bodmea. Après gros fait qui était éclaté dimanche 18 février passé à dans marché ça délégation ça t'es gain là-dedans le président commission affaires sociales Sénat République là Roannick Pierre sénateur Dieudonne Luma Étienne président commission droit femme dans Sénat avec sénateur Garcia Delva en suivre. Trois jours après gros fait qui était éclaté dans marché Million hein, sénateur Noah Dieudonne Luma Étienne qui était gain avec sénateur Nord-Ouest là Roannick Pierre avec sénateur Latibonite Garcia Delva visiter marchand victime yo déblayer marché a joindre assistance psychologique et assistance sociale c'est différentes revendications parlementaires recevoir dans même marchand victime yo d'après président commission conditions femmes et droits femmes yo dans Sénat Dieudonne Luma Étienne. C'est pour nous venir solidariser nous avec marchand yo femme tant que garçon qui jodi en deux bras balancés après l'amour par rapport à ça que du fait en faire et en même temps c'est pour que ça ca aider nous mieux jouer rôle parlementaire nous mieux jouer rôle de contrôle nous en tant que parlementaire puisque nous connaissons que l'exécutif là est en montée une commission interministérielle qui pour chita sous problématique marchand yo et nous t'es venu pour nous sûr que tout va évoluer bien et en même temps pour nous prendre doléance yo permettre marchand yo qui victime n'en bénéficier aide à assistance c'est priorité président commission affaires sociales Sénat Roannick Pierre qui dit li pral travail pressé dans tête collée à comité interministériel là pour répondre à revendication marchand qui victime yo. Pour ensemble de monde qui prend radio chaque jour qui a dit aux victimes, mais nous-mêmes, nous, à la recherche de vraies victimes. Yo. Parce que nous n'avons pas de vle chaudière à monter et bien sur nos grands monde pour descendre sur nos petits monde. Et ça a été fait en Haïti déjà. C'est ça qui permet aujourd'hui nous venir faire état de lien pour nous sûr et bien ça qui prend le venir, nous prenons aller dans de bonnes directions. Plusieurs marchands pas de cacher satisfaction suite à la visite. Ils ont souhaité sénateur au travail avec l'autre instance dans l'État. Permettre de reprendre. Et ça a été fait en Haïti déjà. C'est ça qui permet aujourd'hui nous venir faire état de lien pour nous sûr et bien ça qui va venir yo va aller dans de bonnes directions. Plusieurs marchands pas caché satisfaction suite à la visite ça. Yo souhaité sénateur au travail avec l'autre instance dans l'état pour permettre de reprendre activité.
nous remercier chambre sénat jodia qui vient visiter nous, qui vient faire visite des lieux pour nous, pour ba nous aider. Nous remercier tout le monde marché Hippolyte, remercier toute instance qui était campé ensemble avec nous. Merci. Gati ba nous fait nous connaître d'ici vendredi si Dieu veut. En disant, l'a venu, l'a commencé à faire des blagues. Et c'est lui-même qu'on a prétendu en pile. Si lundi, si Dieu veut, il était capable de nous possibilités pour nous commencer Chita, franchement, nous sommes contents. Et nous sommes contents et nous sommes dit merci en pile. C'est ça qui est important pour nous. N'a pas rappelé, dit c'est ça qui était éclaté dans le marché Hippolyte là, qui était plusieurs centaines de marchands, des bras balancés. Il arrive le moment pour nous observer une pause publicité, pas débrancher, n'a écrit président République là Jovenel Moïse sur un ensemble point qui t'a dû représenter priorité caravane changement dans département centre encadrement pour petit ak moyen business sécurité agriculture ak élevage et puis énergie électrique c'est parmi l'autre point parlementaire a cité Abel Descolines encouragé administration Moïse à gouvernement Lafontaine pour faire une évaluation potentialité département un extrait dans micro Esaïe Aurelius ak Moïse Wilbridge lettre tout l'ouvrir ça li articulé sous un ensemble de propositions sous ça qui doit être fait comme activité comme projet pour aider à ce que département du centre li capable développer pour que le département du centre li capable si volonté président Vlessa bénéficier de projets durables à travers les Toulouvrissa notamment comme vous le savez le président de la République entre autres promesses li dit dans 24 mois un peu moins même journée jodian la permettre que Haïti gagne courant 24 sous 24. Vous proposez à président Jovenel Moïse si vraiment Livlé choisit yon département pilote pour que courant 24 sous 24 là li possible, eh ben yon nan rare de département nan pays côté ça capable réaliser ces départements du centre. Pour qui ça département du centre capable pilote nan question courant 24 sous 24 là, plateau central comme vous le savez, c'est lui-même qui gagne la donne centrale hydroélectrique Pelig qui capable produit entre 45 et 54 mégawatts d'électricité. Donc, dans la proposition nous fait dans l'aide Toulouse-Rissa, nous demander à ce que président de la République, le gouvernement en place, est capable de veiller à réparation qu'a faite dans le barrage Pelig en termes de qualité et utiliser bien évidemment potentiel énergétique ça pour alimenter les 13 communes et les 35 sections communales. Mais à côté de centrales hydroélectriques Pelig, il y a l'autre patrimoine énergétique encore qui n'est en plateau central, département du centre, c'est Onvet qui n'est arrondissement de Belader, qui est capable lui-même, si gagne une réparation qui fait, produit entre 6 à 8 mégawatts d'électricité. Donc voilà, il y a un élément de proposition yo nous fait avec le président de la République. Magistrat Pétionville, Dominique Saint-Roch, accompagné avec ministre intérieur et collectivité territoriale, là, docteur Max Rodolphe Saint-Albin, inauguré mercredi 21 février à un projet courant dans la 4e section Belle la Montagne, commune Pétionville. Projet ça réalisé après une rencontre ministre Lante et Gain avec Moun dans la communauté A qui était fait la demande blanc. Reportage Anne-Marguerite Auguste avec Michaud Joseph. C'est environ 350 familles qui prennent. Magistrat a expliqué qu'il y a un pile monde qui était qu'on perdu la vie ou dans l'entreprise, sorti bien loin pour mettre courant la caillou. Dans ce sens-là, les invités bénéficiaires yo pour bien gérer courant, pas prendre prise, payer à l'heure pour faciliter l'autre zone qui pour qu'on gagne courant yo bénéficier même projet ça. Son projet qui coûtait 2 333 000 gouttes. Oui, donc on connaît les zones qui ont des problèmes, les courants pour arriver. Et désormais, on a commencé à avoir le courant. Et l'État, je dis, a mené le courant à nous. Nous voulons aller plus loin avec elle. Si on servit mal avec lui, si on ne veut pas payer son gain qui entre la caillou, ça va permettre que le transformateur soit écrasé. Et les gens là dans l'habitation sérieux qui ont venu consulter nous, demander pour courant arriver plus près, ils ne pas bénéficier. Donc je dis à tout le monde, évitez de prendre prise avec fil et fil d'achat, petit fil et alligaturé, parce que grand pile monde
qui perdit la vie déjà boïsien à travers question fil ça et ça fait aujourd'hui l'état normaliser question nous banon un projet donc nous encourager tout le monde prendre compteur pour que projet soit capable viable et durable. Ministre intérieur collectivité territoriale Dr Max Rudolph Saint-Albin fait connaître matérialisation projet ça fait partie politique gouvernement pour arriver bay tout côté dans pays à courant. Les croix projet ça a aidé en pile dans effort équipe en place a fait pour développer le pays d'Haïti. C'est exemple l'État, ça, c'est modèle l'État, ça, au service de la population, que le président de la République, là, son excellence Jovenel Moïse, a chef gouvernement, c'est exemple ça que le gouvernement à laquelle m'a appartenu, hein, que n'a pas l'État au service de la population. Service qui a rapproché au plus près et qui a vu plus près la population. Ce n'est pas un courant qui l'a ré là comme ça. Certainement, la vine entrée dans le cadre patrimoine EDH là, qui certainement, on connaît que ça, c'est une dada et une promesse président République là, pour que dans moins que. Pour aller faire demande contre yo, d'après responsable yo, magistrat Petionville là, m'a demandé pour pas prendre prise et puis payer courant yo. L'autre dossier, il y a un séminaire formation lancé mercredi 21 février pour plus passer 300 nouveaux policiers qui font affecter dans la direction départementale l'Ouest Police Nationale d'Haïti. Un séminaire formation ça, cap dirait des jours à dérouler sous accueil à intégration policier 28e promotion. Directeur départemental l'Ouest PNH, la commissaire Berson Solfour, félicité direction générale la police pour démarcher ça. Il y a un extrait dans micro Richardson Jourdan avec Michel Joseph. Ce séminaire vise à les accueillir comme tout gestionnaire. Donc nous les accueillons pour les expliquer la PNH, le fonctionnement de la direction départementale et leur inculquer quelques informations sur la sociologie du milieu du département de l'Ouest et aussi de leur parler de la vision de la direction départementale et pour leur prévenir, pour leur donner des mises en garde, pour leur conseiller, comme nous sommes des anciens, nous avons fait au cours de notre carrière des erreurs, nous ne souhaitons pas et nous ne voulons pas que ces nouveaux policiers tombent dans ces écueils. Donc c'est la raison, c'est le but principal de ce séminaire pour les expliquer, leur parler et pour être capable de comprendre. Ils ont commencé pendant le carnaval là, ils ont fait premiers avions, ils ont vraiment bâillé un coup de main considérable à la direction départementale de l'Ouest et c'est l'occasion publiquement pour que la direction départementale a félicité eux, hein, policiers de la 28e, vraiment merci, félicitations, vous avez respecté les consignes, on n'a pas eu aucun incident, on n'a eu aucun incident impliquant les policiers de la 28e. Ils étaient là, ils ont respecté les consignes. Au cours de ces deux jours, donc ce sera un échange. Vous venez de l'Académie, de l'École nationale de police. Donc vous avez vraiment eu beaucoup de formation théorique. Et c'est l'occasion, vous avez déjà commencé à travailler durant le carnaval. Donc vous allez voir les difficultés. Vous allez discuter avec le commandement de l'Ouest, avec les formateurs, pour ensemble on puisse d'abord partager nos expériences et aussi vous prémunir d'outils afin de vous permettre de ne pas tomber dans des problèmes, notamment de la question des droits de l'homme. N'a pris direction au Palma haïtien en Assemblée sénataire, attendez, mercredi 21 février, membre du Conseil supérieur police nationale là, rencontre ça qui rentre dans l'activité Sénat, qui peut être dans des marchés publics en bas la ville là, des marches pour supporter machin de victimes, conditions de travail la police là et la trier. Dans l'occasion, président Sénat, Joseph Lambert, avec président commission justice et sécurité Sénat, Jean-René Sénatus, présenté préoccupation yo, by CSPN non, d'après yo, qui doit agir pour porter correction. Tel l'incendie du marché en fer dans la soirée du lundi au mardi, le marché Hippolyte, l'incendie de la matinée du dimanche du marché dénommé Guérite et également
un ensemble de fausses alertes du côté de l'EOGAN et du côté de la télévision nationale d'Haïti. Nous invitons donc le président de la prestigieuse commission justice et sécurité publique du Sénat de bien vouloir gravir la tribune pour une mise en contexte. Nous devons connaître accès SPN, qui mesure au plan déjà, puisque le Premier ministre là comme chef du gouvernement, pour yo recapitaliser les marchands. Des marchands qui étaient achetés à crédit, ou du moins qui prennent des prêts dans mes banques, et tout le monde au boulet. Est-ce que des mesures déjà qui prennent? Si des mesures qui sont en perspective, pour les ministres, à peine nous connaissons qui ça oui. Et dernière question et souci que nous gagnons au niveau commission, nous estimons gagner un chirépit entre ministre justice là avec commissaire gouvernement Port-au-Prince là. Pendant commission justice là, nous prenons note de ça parce que nous, à travers la presse, on l'a commissaire là écrit à ministre là pour le remettre démission. Nous, on l'a responsable que premier ministre là baille. Pour le dire à commissaire gouvernement, pas de problème, restez dans la poste là. Maintenant, je ne sais pas premier ministre là, je ne sais pas le ministre de la justice là, ni ne pas une lettre. Le premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, qui s'est tout président Conseil supérieur police nationale là, a annoncé enquête sous diffait qui boulait des marchés publics en bas la ville, a fait chimel sans problème. Le premier ministre Lafontaine a annoncé le gouvernement déjà entreprendre yon ensemble des marches pour supporter marchands victimes. Yon extrait dans le micro Esaïe Aurelius ak Moïse Wilbridge. Nous gagnons soit des incendies, ou encore nous gagnons de fausses alertes, comme l'a dit le président, d'incendie depuis lundi gras. En ce qui concerne incendie marché Guérit, nous gagnons enquête de police et enquête judiciaire qui est en cours. Et comme nous connaissons, on enquête pas qu'à faire objet de publicité. Nous ne sommes pas capables de partager devant écran télévision détails concernant enquête qui est en cours et cela pour les besoins de la cause. Ça me voulait parler de marché en fer. Mais en ce qui concerne marché Guérit, dernière information qui gagnait, bien sûr, enquête n'a pas continué. Et qu'il y a une arrestation qui est faite. Et incendie ça, l'État a un incendie accidentel. En ce qui concerne les autres cas, je vais éterniser Msouyo parce que le président lui-même, dans la présentation, il parlait de fausse alerte. Ma préprise, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, commissaire du gouvernement, secrétaire d'État sécurité publique, il y a qu'à ajouter des éléments de réponse à ça que m'a baillé. Je vais profiter l'occasion une fois de plus pour me présenter solidarité gouvernement à toute ma chambre qui est victime de l'incendie Sahara, à savoir incendie marché en fer et incendie marché Guérit. Et profiter occasion tout pour me renouveler, n'est-ce pas vrai, ça que le président de la République te dit, ça que nous-mêmes nous dit, administration Moïse Lafontaine, li avec yo, la pancadre yo et la aide yo passer mauvais cap ça que y a passé là pour yo, pour nous capables recapitaliser yo, pour yo ka reprendre, n'est-ce pas vrai, business yo en main, parce que marchand sa yo, yo représente pierre angulaire économie haïtienne.
N'a pas rappelé, c'est jeudi à l'Assemblée sénatéa attendait Conseil supérieur police nationale d'Haïti. Un conseil qui rentrait dans le cadre d'activité Sénat qui portait nom mercredi contrôle permettre sénatéaux toucher divers points qui gagnent rapport à 10 faits qui éclataient dans des marchés publics en bas de la ville là. Démarche pour supporter marchands victimes, conditions de travail la police là. N'a pas invité au côté directeur général PNH là, Michel Angéléon. Plan de développement 2017-2021. Fort de plan ça, il y a tout un ensemble d'événements que nous-mêmes nous connaissons. Nous... Déjà, octobre 2017, pas de ministre. Printemps 2020, pas de ministre. 2019, n'a pas d'élection. 2021, on a bien l'élection. Et nous-mêmes, PNH, et justement avec casquette de poids, on a fait promotion yo en petite quantité pour nous capables justement de retrouver et joindre des salles de classe pour nous continuer avec la formation continue. Donc, je dis en là, rien que dimanche, nous gagnons 29e promotion qui rentre. Les gagnants là dans 750 policiers, aspirants policiers. Et comme nous sommes sensibles à la question du genre, dans 750 ça, il y a 216 femmes là-dedans. Nous utilisons pratiquement 8 salles de classe. Non, et 16 salles de classe. Nous sommes censés gagner 8 salles qui sont disponibles pour recevoir policiers premiers dans la question de formation continue. Formation unité spécialisée, UDMO, CIMO, DCPJ, notamment BLDS. Et lorsque vous parlez tout de formation, vous n'êtes pas capable de négliger les cadres et les cadres intermédiaires de l'institution. Et à cet effet, l'Académie de police noire. Il faut faire la différence. Nous avons une école de police et une académie de police. Académie de police, nous avons supposé être très en mouvement pour l'année 2018. Ça. Nous avons gagné des officiers médecins qui ont formé la donne. Nous avons gagné plus de 200 inspecteurs qui ont pris formation pour grade que nous avons gagné. Et nous avons gagné 100 nouveaux commissaires qui pourraient rentrer en académie. Donc, même si on a intervenu vers le bas, nous avons intervenu tout vers le haut parce que la question de la formation est indispensable à développement institution. En pile élèves haïtiens gagnent difficulté pour lire ou soit écrit créole qui c'est maman langue peuple haïtien. Dans ce sens, une équipe télévision nationale d'Haïti rencontrée mercredi 21 février à plusieurs responsables à l'école pour parler sous place yo bay langue créole là dans le processus apprentissage là pour faciliter timounyo li à écrire langue créole. Il y a quelques temps, oui moi qu'on lit, c'est quelques parmi divers documents l'école publique tant coup privé utilisé pour permettre élèves yo li et puis écrit créole qui c'est maman langue peuple haïtien. C'est sous la colonie, blâme les vignes dans le pays. Les privés ont l'air, ils sont venus à l'arrêter dans la ville. C'est pour ça qu'il y a un pétard de marron. Nous tous sommes qui janvier, parce que pétard de marron a fait un caïsien. Malgré les efforts qu'a fait pour permettre langue créole la jouer une place li, tout bon dans la société haïtienne là. Ça n'a pas empêché quelques familles et en pile l'école dans le pays de continuer à exiger que les gens parlent l'autre langue, comme quoi créole n'est pas une langue, c'est toute langue. Une situation, d'après quelques directeurs d'école, qui décourageait en pile les gens suivre le cours qu'a fait sur la langue créole, dans le sens comme si le cours n'est pas important. Créole, c'est un moyen de communication qui permet à nous de bien comprendre l'autre, d'après Lambert Erna, qui n'a pas de voile enregistré. Dans ce sens, directrice de l'école nationale Caroline Chauveau a souhaité autorité concernée et structurer l'anglais une manière pour permettre à Timounio lire et puis apprendre en créole.
li encourager puis loin parents ak dirigeant l'école yo prend ti moun yo à la base yon façon pour aider yo remen parler et puis maîtriser langue créole là. L'autre dossier dans le journal, l'association motocyclette taxi Amota mandé autorité l'État yo prend responsabilité yo sous service taxi moto dans PIA. D'après coordonnateur général Amota, Jean-Charles Dionéa, qui était rencontré la presse mercredi 21 février, souhaité autorité yo régulariser ce service là, une façon pour chauffer yo joindre plus bon encadrement. Amota dit lui condamné à toute force lui. Comment une série commissariat prend l'ordre pour saboter projet plateforme La Mota gagné qui vient pour titre légaliser, régulariser, identifier tout chauffeur à motocyclette dans le pays d'Haïti. Quelques mois passés, nous pas oublier commander nèg ak bel uniforme nèg qui dit yo c'est gros chef dans l'État. Prend la presse pour dire comment yo pral régulariser question taxi moto. Yo te même dit pour tout chauffeur moto à enregistrer dans commissariat côté travail. Yo te dit nous pral travailler son base de données pour yo, n'a ba yo numéro à chaque fois numéro ça en met son numéro qui propre à un citoyen. Eh bien pour une raison ou pour une autre, c'est garder non, je joue tant que je dis, et puis j'y l'ai dans la rue, c'est seulement les gars qui viennent, ils disent moi-même, c'est monsieur tel, bon 4, bon 5 gilets, et puis ils remettent à mon nid. Les gars paraissent, ils disent moi-même, je travaille tel côté, bon gilet. Ça dit un policier, quand on chauffeur moto à travailler. Bon, moi, quand on a fait moto, je ne vais pas quand on est à travailler. C'est ça qui fait nous une structure, ce comité station, l'aime un problème. Par exemple, j'ai un problème pour Matissa, je suis Intel. J'ai un problème et quoi d'émission, je suis Intel. J'ai un problème tel côté de Intel parce que c'est lui qui connaît mon mieux. C'est lui qui connaît mon mieux. La police n'a pas connu mon mieux. Puisque le projet est un projet sensible, son projet qui gaspille la sécurité publique, nous, en tant qu'association, nous ne pouvons pas prendre comme responsabilité. C'est normal pour demander recours à l'État. Nous allons prendre une autre pause dans le journal là. Restez branché, Naptounet. Nous allons faire un coup de pied l'autre bord de l'eau. Plusieurs élèves rencontrés mercredi 21 février à président Donald Trump et élite américain. Yo. Élèves ont fait déplacement ça. Nos objectifs pour faire passer voyou pour autorité yo caron plus difficile loi locale sous question pour tes amis. En suivre. Élèves dans le lycée Parkland yo. Rivé mercredi 21 février 2018 là dans la si, capitale Floride là sous applaudissement plusieurs groupes monde qui étaient là. Élève sa yo fait déplacement ça dans objectif pour chita parler avec autorité locale yo et puis président Donald Trump dans l'idée pour faire pression pour river mettre camper yon loi sous façon pour contrôler circulation zam. Déplacement ça fait alors que autorité dans Floride te voye jeté une décision comme ça à mardi 20 février 2018 là. Jeune sa yo passé tout près la mort côté 17 camarades à enseignants perdit la vie dans fusillade ça mercredi 14 février. On savait qu'ils ne nous écouteraient pas si on restait à Parkland. Il fallait qu'on vienne à eux et qu'on leur manifeste pour demander en restriction sur business zamnan. Dans un sondage qui montrait plus passé 6 Américains sur 10 estimés, président Snack Congrès a pas fait assez pour prévenir fusillade à niveau ça. Malheureusement, quand une tragédie comme celle-ci se produit, tout le monde demande une réponse simple et rapide, mais il n'y a pas de réponse simple et rapide. Néanmoins, nous voulons faire face au problème et nous voulons rencontrer et parler avec un maximum de gens qui ont été affectés ou qui sont impliqués dans ce processus. C'est pour cela qu'ils souhaitent s'asseoir et échanger avec les parents, les enseignants et les élèves. Les SCAP ont déjà lancé une annonce pour un gros rassemblement pour faire mois mars là, dans Washington, et dans plusieurs autres villes dans le pays États-Unis. Autorité vénézuélienne yo t'emmène officiellement mardi 20 février 2018 la vente 38,4 millions pétro. Pétro c'est un nouveau monnaie virtuelle qui est basé sur réserve pétrole pays Venezuela et qui est destiné pour lutter contre blocus financier américain. En suivre. C'est la première fois ça fait dans le monde là, yo mette en vente l'argent en ligne côté valeur évaluée à un baril pétrole. C'est vice-président vénézuélien Tarek El Aissami qui fait lancement ça depuis palais présidentiel là dans Caracas, mardi 20 février 2018 là.
Yon total 100 millions pétro, l'agence a pral produit. 20 mascap vinila, gouvernement vénézuélien pral mette en vente 44 millions en plus. Et puis la COA fixé depuis 31 janvier à $60, mais li pral soumettre à variation. D'après vice-président vénézuélien, l'agence a pral générer confiance et sécurité sous marché national et international. Dans le commencement du mois de décembre, le président Nicolas Maduro a annoncé intention pour créer une devise virtuelle, crypto-monnaie, dans l'objectif pour répondre à la liquidité dans le pays. Vingt-jeune avec embargo Washington qui interdit le président Donald Trump pour citoyens et entreprises acheter obligations Venezuela. Crypto-monnaie, c'est un agent virtuel qui est utilisable sur un réseau informatique décentralisé. Environ 300 garçons cap travaillent pour une société militaire privée qui a gain loin lien avec Moscou, t'a semblé déployer sous terrain dans le pays Syrie. Président russe Vladimir Poutine nie information ça en suivre. Autorité russe reconnaît plusieurs dizaines de ressortissants qui ont perdu la vie dans le pays Syrie dans le commencement mois février. D'après information, c'est une société militaire privée qui a la cause victime ça. Toujours d'après information, il y a au total 300 garçons qui travaillent pour société militaire privée ça qui a un lien avec Moscou. Selon l'agence Reuters, ces groupes Wagner ont une entité qui a un empire d'éléments sous lit. Seulement les gens qui a la tête liée à cet ancien force spatiale russe, les Spetsnaz, et a une acquaintance politique. Le président russe Vladimir Poutine nie toute implication dans ce qui a à voir avec dossier ça. Prédicateur Billy Graham en pile moun terrele pasteur Amérique là mouri mercredi 21 janvier 2018 là à 99 l'année sous tête libre.